Yomena-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse aux deux derniers chapitres de One Piece. Donc chapitre 1081 et 1082. Et 1081 s'appelle Kuzan, commandant du 10e navire de l'équipage de Barbe Noire. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Bon, on a une première page en couleur. Ouais, très sympa. Les garçons de l'équipage. Voilà, tous les garçons. Avec des écureuils. Oui. C'est spécial, mais on s'en fout. C'est stylé, bon, c'est beau, c'est bien fait. Voilà, c'est voilà. les premières pages comme, de One Piece. Comme d'hab, on kiffe. Voilà, par contre, c'est mignon. Voilà, tout le monde dort, à part Sanji qui lit un livre suspect. Suspect. Pourquoi bah, suspect parce que je sais pas si Oda s'est trompé dans la traduction ou s'il fait exprès de mettre des trucs chelous. Mais... Ce n'est pas un livre sur la cuisine pour moi. Ah oui, ah oui. Non. On dit qu'il lit un livre d'Ivankov, peut-être, je sais pas, mais. C'est vrai que bon. Bon, bref. Bref, on. Bref, 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 bref. Bon. Donc, on reprend là où on avait laissé Garp. Sur les lieux de la bavure. C'est ça, sur les lieux de la bavure, exactement. Exactement. Puis il a le sourire. Ah oui, bah il est content de lui. Il a le sourire. Il est fier de. Enfin, fier, encore non, il a le seum. Donc, Garp qui a atterri. C'est ça, il a atterri. Bon, quand je voyais le bateau derrière lui, j'ai eu peur. Ah oui, je me suis dit, putain, il va le faire. Je me suis dit, vraiment, il va le faire. Je me suis dit, putain, il va le faire. Il va le choper. Le choper ou l'arrêter comme ça. Je dis, il va nous faire un truc comme ça. Ah non, ouais, non, tu le fais pas. Non, non, non. Non, il l'a pas. Bon, fait. Ouais, l'autre qui maîtrise l'argile, là. Il a fait un petit truc pour amortir la chute du bateau, donc c'est bien, propre. C'est ça, nickel. Il arrive comme ça, tu vois, arrivé en spectacle, non, tu vois. Mais, tu vois, la prestance de dingue. Tel son petit-fils. Non, mais c'est une entrée à la Monkey D, quoi. C'est ça. Faut que Dragon fasse un truc équivalent. Dragon. Luffy, Garp, maintenant Dragon. Ouais. Mais Dragon, il a pas cette personnalité. Ouais, il peut, ça change pas le fait qu'il peut faire une entrée fracassante. Mais, il fera une entrée fracassante. Mais pas de la même façon, tu vois. Ce sera plus sobre. Voilà. Ce sera forcément plus sobre. Mais vraiment, quand je vois le mec, il me pose des questions sur son gamin. Je me dis, mais c'est pas possible. Dragon, ça doit être quelque chose aussi. Ouais, c'est pas faux. Bon, bref, mais bon, en tout ouais, cas, en tout cas, on voit que Garp n'est pas satisfait. Voilà, il n'est pas convaincu par ses capacités, tu vois. On va dire. Il dit, ouais, mes forces sont bien diminuées. Ouais, ouais. Tu vois, le truc classique pour dire, bon, à mon prime, j'étais meilleur. Ouais, juste détruire la ville d'un coup de poing, mais pff, à l'époque, j'aurais pu faire mieux. Et c'est vrai, et c'est vrai, le mec, il disait, bon, pour m'entraîner... Je punchais quelques montagnes histoire de m'échauffer un peu. Parce que bon, faut pas oublier que. Comment il s'appelait l'autre l'autre, le vieux là que Luffy l'a affronté à Dressrosa. Don Kinjao. Don Shinjao, ouais. Le mec pétait un continent de glace avec son crâne. C'était bien dit que c'était un continent, moi. Garf, il est arrivé, il a dit allez, remballe-moi ça là. Range ton machin. D'une droite dans la tête. Il a détruit sa vie. Ouais. Il a détruit ses ambitions. Il a fait une bosse à la place du crâne. Bon, après, il a voulu se venger sur sa famille. Ah ouais, tiens. Et après, il subit la sentence inverse. Ouais, maintenant, il fait partie de... Oui, de l'équipage. Il fait partie de la flotte. Du petit-fils, quoi. Partie de la flotte. Ouais. Bon, oui, bon, du coup, Garp, il est prêt à en découdre. Hein. Voilà, donc on voit que les marines sont contents d'être là, quand même, tu vois. C'est ça. Si, bon. Il y en a qui sont vexés par le fait que Garp a surnommé Kobe le futur, l'avenir de la marine. Quoi. C'est bon, ça. Il y a un petit peu de rivalité dans les rangs, donc c'est pas plus mal. Non, ah, mais Kobe, c'est le favori. Oui, c'est le chouchou, point. Qu'est-ce que tu veux Tu vois, il est vexé. C'est pas toi que Garp, il a entraîné pendant 2 ans. Tu veux quoi? C'est ça, exactement. Il a vu le potentiel. Enfin, même avant les 2 ans. Exactement. Bon, puis quand Kobe s'approche de Garp, on voit l'autre, alors je sais plus c'est quoi son nom, comment elle s'appelle, l'autre fille. Ibari. Ibari, voilà, c'est ça. On voit qu'elle se fait congeler. Congeler, de deux, direct. Mince. Donc, qui
peut bien faire ça. Ouais, qu'une personne pour faire. Par contre, ce que j'ai vu sur Internet, Internet, j'ai vu qu'il y a une théorie qui circule comme quoi ça serait la fille d'Akainu, cette meuf. La fille d'Akainu? Ouais, parce qu'apparemment, elle a la même façon de parler selon les kanji japonais, tu vois. Ouais. Apparemment, je crois qu'elle est à peu près de la même région. Mais je sais plus c'est quoi l'autre indice qui fait que les gens y croient ça. Mais je trouverais ça marrant que justement la fille d'Akainu soit amoureuse de Kobe. Et que là, comme par hasard, ce soit la première qui se fasse congeler par Kuzan. Parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est pas anodin tous ces trucs. Mais bon, à voir. À voir. Ce serait... bah, en vrai, tu sais que ce serait pas mal parce que ça donnerait un peu plus de corps aux amiraux, quoi. Oui. Parce que les amiraux, quand même, ils ont un côté à part être les armes ouais, utiles les machins, voilà, à part genre, ça. On est des éternels célibataires, on œuvre que pour notre mission. Toi, ils sont pas plus intéressants que ça, en vrai. Bah non. Mmh. Non mais, ils sont juste balèzes. Bah, à part Aokiji, parce qu'il a un peu de... Il a un passif avec... Ouais. On considère plus comme amiral, mais... Il a un passif avec Robin, etc. Mais sinon, Fujitora, je l'aime bien, mais... voilà. Ryokugyu, bon, pue la merde. Pue la merde, vu qu'il a pris son coup de pression wifi, là, c'est bon, je le calcule plus. Kizaru, on sait rien de lui. Non! Là, le plus qu'on a eu de ce personnage, bon, après, moi, j'ai pas vu One Piece Red. Ouais, c'est ça, One Piece Red, je l'ai pas vu le film Red. Là. Mais apparemment, on a peut-être un petit peu plus de lui, parce que, bon, voilà, les amiraux, ils se pointent pour le film. Mais on a eu un petit peu plus de lui quand il y avait le film Z, quoi. Ouais. Avec son interaction avec Zephyr, qui était son sensei et tout, là. Enfin, de toute façon, Zephyr, c'était le sensei de tout le monde, apparemment, dans la marine. Mais c'est le seul moment où on a eu un petit peu plus du personnage, quoi. Mais sinon, on sait rien de Kuzan de Kizaru. Non, mais je te dis, de toute façon, les amiraux, sont pas plus intéressants que ça. Donc c'est pour ça qu'il serait peut-être temps de... Ouais. De leur donner un petit quelque chose. Ouais. À se mettre sous la dent, qu'on en apprenne un peu plus sur eux, et voilà. Quoi. Ouais. Parce que là, bon, même le fait que. Toi, enfin, bon, bref, là, on va y venir plus vite. Je sais pas. Parce que commence pas à dire. Je suis pas m'enflammer. Ouais. Ouais. Donc, oui, bon, bah, voilà. Kuzan a congelé Ibarri. Ouais. Et là, on est sur un stand-off à la Western. Voilà, alors là, du coup, Garp regarde. Il regarde Kuzan. Qu'est-ce que t'es devenu, toi? Qu'es-tu devenu? Pauvre Garp. Ouais. Des échecs successifs. Non, mais c'est pour ça! C'est pour ça! Kobe! Ta vie est une succession d'échecs. Tu ne trouveras jamais l'héritier, Garp. Laisse-le. C'est pour ça, Kobe! Kobe, c'est le sang! Kobe, un jour, il va détruire le monde. Ouais, allez, ça y est. Oui, parce que Garp est maudit. Ouais, non, Garp est maudit. Putain. C'est la malédiction. Donc même un gars qui était bon comme Kobe, va finir méchant à cause de Garp. Non, c'est l'exception. C'est l'exception, voilà. C'est tout. Putain de merde. Oh, pauvre Garp. Pauvre Garp. Donc finalement, on part sur un flashback, là, direct. C'est donc, ça, Un an après le combat entre Akainu et Aokiji, quoi. C'est ça, donc c'est le moment où Aokiji est venu à la rencontre de Barbe Noire. Donc non, ils sont tombés l'un sur l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis là, il a congelé C'est ça, parce que c'est... comment il s'appelle, là? Sarwan Wolf et les autres ont voulu tabasser Aokiji, quoi. Voilà. Ils sont fait apparemment one-shot, hein. Voilà, et puis bon, bah, c'est pour ça que Barbe Noire leur a dit de se calmer calmez-vous. Ouais, parce que les autres étaient. On va pas s'enflammer. Les autres voulaient tabasser Barbe Noire et moi. Barbe Noire, les autres voulaient tabasser Kuzan. Ils ont dit attendez les gars, on va discuter. On va discuter. On n'est pas là pour ça. Là. Bah, c'est ça, puis là, c'est vraiment. C'est là que tu vois que Barbe Noire, il a conscience du niveau de d'Aokiji. Non, oui, mais de toute façon... Parce qu'il pourrait très bien dire « je suis intéressé par le fruit d'Aokiji » ou... Il avec les capacités que j'ai, je peux peut-être... C'est un personnage réfléchi, c'est pas pour rien que quand il a eu Même quand il avait le pouvoir de Barbe Blanche après Marineford, quand Akainu était venu chercher Bonnet, ils se sont barrés. Ils se sont pas dit « oh, vas-y, on va le tester ». Non, ils se sont dit « vas-y, on se casse les gars, tu vois. On va pas le tester maintenant. » Même encore à l'époque. Ouais, mais là, c'est juste un an après. Hein. Oui, c'est vrai.
Il était pas encore, ouais, je vrai, pense qu'il était pas encore Yonko ou tout. C'était un an après Marineford. Il dit ah, attendez, attendez, on n'a peut-être pas encore niveau, on va essayer de négocier. Parce qu'en plus là c'est pareil, là il aurait battu Barbe Noire. Ça aurait rien changé pour les autres. Parce que le fruit s'annule pas une fois que la personne est dead en fait. Voilà. Bon bref, et puis voilà, bon. Mais ouais, ils sont tombés sur Aokiji. Ils se prennent un sacré coup de pression, quoi. Ouais. Parce que bon, clairement, il leur dit, je suis pas d'humeur, me faites pas ouais, chier. Ouais, voilà, c'est ça. Cassez pas les couilles. Il veut venir boire son verre tranquille, solo. Bah, en plus, c'est ça, il venait de perdre contre Kizaru. Akainu, je veux dire, et tout ça. Pff, oh, flemme. Là, il... Ah, l'autre, ça faisait un an qu'il était en dépression, hein, c'est bon. Le mood était négatif. Voilà. Mais, revirement de situation, quelques je sais pas, heures après, ça se tape des barres ensemble. Eh oui. Parce que Barbe Noire, en plus d'être réfléchi, est un... Comment je pourrais dire ça? Il sait aussi être un diplomate. Diplomate, mais il a un charisme... Il y a un certain charisme qui fait que si t'as pas d'embrouille avec lui, tu peux être son pote, en fait. Ouais, c'était le cas avec Luffy. C'était le cas, enfin, il était pas vraiment pote, mais il y avait... leur animosité s'est basée sur de la merde, tu vois. Mais sinon, ça se voyait qu'ils auraient pu être potes très facilement, tu vois. Ouais, non, ouais, c'était le truc de la tarte. Oui, non, mais c'est juste parce qu'ils n'avaient pas les mêmes goûts. C'était pour montrer que voilà, ils sont pas pareils. Voilà. Pas pareils, mais similaires quand même. Voilà, c'est ça. Mais ils auraient pu s'entendre très facilement, c'est ça. Ouais. Bah, de base, même sur l'équipage de Barbe Blanche, ils s'entendaient plutôt oui, bien avec les autres membres de l'équipage. Ils s'entendaient avec Aïs et tout. Voilà. Bon bref, et puis bon, clairement, on voit que ça discute, ouais, voilà, il ouais. y a Okiji qui leur raconte la perte de sa jambe. Voilà, dit, enfin ah, ça... officialisé. Voilà, putain. C'est ça, j'ai dit, ça y est, ça a été canonisé, ce ouah, truc. Ouais, on attendait ça depuis, il était temps. Depuis le film Z, justement. De toute façon, c'était sûr que ça allait être canonisé fait, à un moment bon, donné. Bon, ça fait quand même 10 ans qu'il est sorti ce putain de film. Là, c'est justement, si t'as pas vu le film, tu tombes des nues. Non, après, tu me diras, Okiji, on l'a pas beaucoup vu non plus. Oui, c'est vrai, mais... Là, c'est vraiment parce qu'on en arrive à un point où Okiji, là, il prend une place oui, voilà, importante, intéressante, et raconter, du coup, là, voilà, mais ça reste à quel bien. Moment il allait faire ça avant. Non, mais bien sûr, on l'aurait pas vu avant. C'est pas comme s'il allait se pointer à Dressrosa, pointer à ouais. Peukaza pour mettre un coup de pression à Doflamingo et dire « Ah tiens, regarde, j'ai perdu ma jambe !» Juste histoire de dire « Voilà !» Bah oui, c'est bon. Enfin bon voilà, en tout cas voilà, le courant passe bien entre ouais. lui et l'équipage. Ouais, donc ça commence à parler de l'homme à la cicatrice de feu. Exactement, ouais. L'homme à la cicatrice de feu. Oui, parce que justement, Aokiji, il a dit qu'il a laissé beaucoup de cicatrices à Kainu. Hein. Il a peut-être perdu sa chambre, mais il a laissé quelques traces sur le corps. Il en est pas ressorti un bel. Voilà, c'était pas, c'était du 50-50. Ouais. Bon, en tout cas, Akainu, peut-être que c'est ça qu'il a des cicatrices. Ah oui, non, mais il doit avoir des balafres de partout, tu vois. De toute façon, là, on voit qu'il a une balafre à la nuque, là, et puis je crois qu'il en a sur le visage aussi, donc... Ouais, c'était pas un 50-50, le machin. Enfin, c'était un 50-50, le machin. Enfin, 60-40. Il y en a quand même un qui a perdu. Voilà. Oui. On est d'accord, oui. C'est ce que j'allais dire. Oui. Ce que j'allais dire, bon, ok, même si t'as laissé plein de cicatrices, il t'a mis mal. Oui, voilà. Ok, Akainu, il a dû être ramené sur un brancard. Voilà, vas-y, ouais. L'hôpital de la marine, tout ce que tu veux. Ça change pas le fait. Ok, mais non, parce qu'il marche sur ses deux jambes, voilà. Il a ses deux bras, il a ses deux yeux, tout va bien. Alors que toi, t'as une jambe en moins. Heureusement que t'as ce pouvoir-là. Oui. Parce que justement, Akainu, il pourrait pas faire pareil. Voilà. Donc, bon. Mais bon, ouais, ça commence à parler de l'homme à la cicatrice de feu. Ils sont bien au courant que... Il y a trois roues de poneglyphes et que l'homme à la cicatrice de feu a la quatrième, normalement. Qui est cet homme à la cicatrice de feu? C'est apparemment une personne qui navigue sur un bateau entièrement noir. C'est ça. Et qui laisse des tourbillons derrière lui, donc tu peux pas le suivre, en fait. Et comment il s'appelle? Shiryu émet l'hypothèse comme quoi ça serait un membre du gouvernement mondial. Parce que c'est vrai que sa théorie elle est pas bête. Je me suis toujours dit putain, mais comment ça se fait que justement les pirates ils seraient baisés si justement il y avait un marin, enfin si le gouvernement avait le dernier rôle de poneglyphe. Que t'as beau avoir les trois. Si le dernier c'est attaquer le gouvernement mondial, attaquer Marineford ou le gouvernement mondial pour l'avoir,
C'est dangereux de ouf. Vieux. Bah c'est vrai que c'est, ça m'étonne quand même que la marine ils aient jamais essayé de se procurer. Non, mais en même temps, je suis sûr que non. D'accord. Que ça va pas être un quelqu'un. Non. De toute façon, moi, je. Déjà, le simple fait qu'il le dise, c'est voilà, que c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Et puis, de toute façon, on sait que le gouvernement, c'est des teubés. Donc. en plus. Donc, non, ça va pas ça. Non, de toute façon, c'est Gabane. Je sais, peut-être. Hein. Peut-être. C'est Gabane. Peut-être, en plus. C'est ça... Gabane, il est temps de le ressortir, ouais, ce mec. Non, mais peut-être. Parce qu'en plus, ça part d'un bateau entièrement noir. Ça se trouve que. On n'a jamais dit que si l'Euro Jackson, là, le bateau de Roger, il avait été détruit ou pas. Là, tu repeins tout en noir, voilà, c'est bon. Ça se reine. Avec le Yoshi dessus, là, qui a dû éclore depuis. Quand même. Ah, l'œuf de Yoshi, voilà. Là. C'est peut-être ce machin-là qui fait des tourbillons, tu vois. Carrément. Ouais. Exactement. C'est un animal marin, tu vois, il suit le bateau, il fait des tourbillons derrière si quelqu'un est là pour voilà, suivre d'un peu trop près. T'es. Exactement, bah voilà. Ouais, moi, c'est ma théorie, c'est que. Enfin, bah ouais, théorie. Ouais, d'autres théories. Théorie, je sais pas, mais Gabane. Voilà. Gabane et l'œuf de Yoshi. C'est le numéro 3 de Roger ou pas? Faut voilà, un peu de respect sur le. Mais après, c'est. Enfin, après, ça serait bizarre quand même qu'il le qualifie d'homme à la cicatrice de feu, tu vois. Bah, on sait pas ce qui lui est arrivé entre temps. Ouais, mais justement, ça reste le troisième. Il y a 20 ans qu'il s'est écoulé en ce moment. Ça reste le troisième de Roger. Les gens, ils devraient savoir qui est Gabane, quand même. Mais on sait pas ce qui lui est arrivé. On sait pas ce qui lui est arrivé. Imagine, il a hurlé au point de se déformer le visage. Ah, me dis pas que c'est pas possible. Me dis pas que c'est pas possible. On parle de quel manga? Non, mais ça va, il a pas. Oui, mais il a pas eu autant le somme que. Il a pas eu autant le somme que de Jiro. Ou va savoir ce qui lui est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? N'importe oui. Quoi, il a vécu une aventure entre temps, un truc machin qui a fait que. Oh, c'est One Piece. Peut-être, ouais. C'est One Piece. Donc, ouais, bon. Ah, bien. Et voilà. Oui, bah qui. Bon. Putain, mais j'y arrive plus avec les noms. Kuzan. J'ai arrêté sur Kuzan parce que Okiki, ça me casse les couilles. C'est plus son titre, de toute façon. Kuzan qui se remémore les poneglyphes et qui commence à penser à Saul et à Robin, quoi. C'est ça. Il dit merde. Ça me fait penser à des trucs. Nanana, et commence à avoir l'alcool déprime. C'est ça, exactement. Putain, la fille qui essaye En fait, il commence limite à regretter certaines choses du passé, en fait, c'est ça. De toute façon, il regrette déjà. C'est ça. Il regrette déjà, et puis je pense que là, oui... Il se dit, j'ai tant donné pour la marine. J'ai tant donné, regarde où j'en suis. Regarde où j'en suis. Voilà, je suis un putain d'SDF. Bordel. Ouais. Mais ça entend que ça fait des messes basses sur lui. Genre la fille qui veut récupérer son pouvoir, tout, il se dit, bah putain, ça serait pas mal, quoi. Voilà, mais encore une fois, Barbe Noire leur dit oh. Voilà. T'as mal entendu, je dis voilà, l'autre il sait pas de quoi il parle. Voilà, il dit bon, voilà, calmez-vous. Et c'est là qu'il lui fait la proposition de rejoindre son équipage. Voilà, exactement, pour justement le rejoindre son équipage, et c'est à partir de là, du coup, qu'il y a une entente qui se fait. Ouais. Une entente complètement inattendue, parce que ça, tu te dis, comment c'est même possible? Ouais, parce que c'est capitaine, c'est... Putain, mais ah ouais, c'est vrai qu'il les a congelés à ce moment-là, quand ils ont... Mais bah non, ils sont tous congelés. Non, j'avais pas fait gaffe qu'il les a recongelés après tout ça, c'est pour ça qu'il s'est dit, oh merde, attends, rejoins mon équipage, merde. Mais donc, ouais. Mais j'aime la pensée, en plus, là, c'est vraiment... Le délire de pirate, c'est genre, on n'a pas besoin d'être potes pour s'entendre, en fait. Enfin, on n'a pas besoin d'être potes pour être dans le même groupe. Si on a juste les mêmes intérêts communs, tu vois, ça peut le faire. T'es un homme libre, tu fais tes choix. Eh oui, mais là, c'est la... Tu vois, mais c'est l'antithèse de Luffy, en fait. Tu peux pas faire partie de son équipage si t'es pas son pote, tu vois. De Luffy et pas forcément Luffy, même de Barbe Blanche. Oui aussi, non, mais après Barbe Blanche c'était... Pas que Barbe Blanche il avait dit à Oden, il avait dit j'ai eu un équipage par le passé. Oui, où ça se tirait dans les pattes. Et ça se tirait dans les pattes, donc je sais que c'est pas possible. Et après le truc c'est qu'il... Quand tout le monde a trop d'ego et... Trop d'ego et des buts différents aussi. Ouais. Mais là, c'est un peu le même délire. La Barbe Noire, il part du principe que oui, si on a les mêmes intérêts, ça peut le faire. Ouais, mais après, c'est quoi le même intérêt aussi? Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Non, quoi qu'il arrive, deux, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Justement, à voir où ça va mener, tout ça. Donc, bon. Là, je sais pas c'est quoi, au final, le...
le but final de tout ça dans la tête de Kuzan, tu vois, je veux dire, mais bien évidemment qu'il a pas envie d'être. Non, mais bien sûr que non. C'est sur, enfin, sur je veux pas y croire, en tout cas. Il y a un truc, il y a un truc, ça reste un good guy, Kuzan, c'est impossible. Pour ça, je me dis que quelque part, non, regarde, l'échec n'est pas total, c'est pas possible. Mais bon, quand même. Bah, à, là, la base, bon. À la base, Kuzan, c'était pas un échec. Voilà. Ah. C'est ça. Bon, bref, et puis du coup, après, il y a combat contre Garp, combat Garp-Kuzan. Alors, putain, ça, c'est énorme. Si... Ça, c'est... ça, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas, ça. Donc, Garp qui se fait congeler. Garp qui se fait congeler. Bah oui. Ah oui. Garp se fait congeler. Ouais. Garp se fait congeler, et puis du coup, il y a Kuzan en plus qui lui balance des phrases du type « Ouais, tu vas devoir vaincre ton ancien ton ancien top favori pour sauver le nouveau. En seras-tu capable ?»« Tu seras capable de faire ça ?» Garp qui sort du glaçon, on me dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Bam Blue Hole. Qu'est-ce que tu baragouines? Les types qui hésitent sont que des faibles. Allez, voilà, remballe tes phrases de merde. Et un peu de conviction, mon garçon. Casse-toi. Le Garp, il a vraiment dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ferme-la. Et ouais, il m'y attendait pas à cette attaque, putain. Blue Hole. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est bien, Garp. Il est vraiment dans le champ lexical de l'astro du cosmique. Oui. Bah, oui. Non, j'adore. Je te dis, à un moment donné, il va nous sortir Uranus Punch, ou je sais pas, ça va être quoi. Mais... Ça, en tout cas, ouais. Bon, oh, bref. Ah. Bon, puis après, nous arrivons à la partie du chapitre qui m'a à la fois chagriné, parce que je me suis dit, ah, bon, c'était prévisible. Oui. C'était prévisible. Oui. On va pas commencer à se mentir. Là où je t'aime bien. Il y en a qui ont eu un espoir. Ah non, c'était pas possible. C'était bien, là où. C'était pas possible. C'était bien. À partir du moment où il est plus avec l'eau, à partir du moment où il est plus avec Luffy, il a plus le pote à mort. Il a plus le pote à mort, c'est bon. Out. C'est ça. La sentence a été terrible. Le plotard mort de Luffy a un périmètre. Voilà. Et il est sorti du périmètre. Ouais, c'est pour ça que Kid et Law ont réussi à faire des trucs à Onigashima. Là maintenant, voilà. Face à des Yonko en 1-1. Barbe Noire en plus. C'est la défaite. Barbe Noire, l'antagoniste. Oui. Oui, voilà en plus. Bah oui. Ouais, c'est pas parce que bon, Kid il s'est retrouvé face à Shanks. Est-ce qu'on peut se dire, on peut dire d'une certaine façon que Barbe Noire aussi a plotard mort. Oui, parce que lui. Il est obligé de vaincre. Il est obligé de vaincre jusqu'à ce qu'il affronte Luffy. Voilà. La défaite est inacceptable. La défaite est impossible. Voilà. Tiens, lui, il a plot armor, contrairement à Shanks. Ben oui. Shanks, tu sais qu'il y a un moyen qu'il crève avant la fin de l'histoire. Ben oui. Et Barbe Noire, non? Non, c'est impossible, Barbe Noire. S'il se fait soulever, c'est par Luffy. Point. Point. Surtout à ce stade-là, à ce niveau-là. Non. Voilà. Donc, ouais, une scène qui fait penser à son affrontement avec l'eau, avec Ace. Le chapeau de l'eau au sol. Voilà, pareil, dans la pirate, chez les pirates, si tu perds ton chapeau, c'est comme dans le rap, si on te pique ta chaîne. C'est pas pareil. T'es plus pareil. C'est la honte. Bon, et puis voilà, et on voit le sous-marin. Le Polar Tang. Oh là 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 là. Qui attend la classe, mais là. À couler. Ah, c'est fini. À couler. Avec tout le monde qui est en train de sombrer dans la flotte. Là. Ah ouais, bah, puis on les voit. Ouais. On les voit dans l'eau. Ah, John Bart, là, qui sert à rien d'habitude. Bah, encore une fois, il a servi à rien, apparemment. Comme le reste de la team. Apparemment, enfin, bon, ils ont fait quelques trucs quand Barbe Noire les a attaqués, mais bon, c'était pas assez. Mais toute la team n'a pas servi à rien. Ouais. Non. Voilà. Mais bon, ça dit quand même que bon, à partir du moment où t'as plus de bateau, t'es plus un pirate. Ah oui, ça. Non, mais voilà, non, mais encore une fois, leur rôle va être très limité par la suite. Là, de toute façon, parce que bon, là, je pense qu'ils vont quand même survivre, les autres. Parce que bon, c'est dit que c'est des bons nageurs, tu vois. Mais à voir quel sera l'impact de l'eau et la team par la suite, quoi. Mais eux, ils s'en sortent mieux que Kid. Donc bref. Ouais, et donc, voilà, du coup, on voit un Barbe Noire qui est... Déjà qu'elle a pas l'air touché tant que ça. Hein. Non, mais physiquement. Mais de toute façon, lui, il est obligé d'absorber, enfin, de subir les impacts en fait. Il subit à cause de son fruit. Il l'a dit. Donc les gens qui disent, ah, il a subi des dégâts. C'est dit depuis Day One, bordel de merde. Il est obligé de prendre des attaques. Son corps, il absorbe plus que la normale. Donc il est obligé de prendre des dégâts. Qu'est-ce que vous pigez pas? C'est pas Kaido, c'est pas Big Mom. Lui, il prend des dégâts, mais ça change pas le fait qu'il te soulève après. Voilà.
l'ascendance est toujours la même. Ouais. Et donc, enfin ouais. bon, en tout cas, voilà, on voit un Loki au sol, ouais. Barbe Noire qui... Il dit, bon, je vais ramener ta tête au sang pirate à qui t'as pris les cœurs, là, pour voilà. qui porte. Et là, heureusement que Chopper existe. Heureusement que Chopper existe. Ouais, il est d'une médisance. Mais non, mais c'est vrai. Et d'une mauvaise foi. Mais c'est vrai, mais attends. C'est d'une mauvaise mais attends, foi. Mais comment ça, mauvaise c'est foi? C'est de la mauvaise foi. Ce n'est pas de la mauvaise laisse-le, foi. Laisse-le exister. Non, mais Chopper, il, oui, Chopper n'existerait je pas. Je sais. Chopper ne serait pas je Heisenberg sais. Pour. Heisenberg. Il bicrave. Non. Moi. Et bicrave ses petites pilules bleues, non. Là, ses petites. Ouais, c'est sa petite Crystal Mets. Non. Hein non, non. Moi, ce que je... Sa petite Rumble Mets. Non, moi toi, tu fais cette comparaison-là. Moi, je comparerais plutôt à Vegeta. Vegeta qui avait pas de lune et qui l'a créé son truc, là. Tu vois. Mais il se l'est fait tout seul. Et c'est pas grave. C'est une comparaison complètement merdique. C'est pas grave. Non. C'est non, pas grave. Non. D'ailleurs, il l'a fait tout seul, oui, mais c'était quand même une technique qu'ils avaient au cas où il y avait pas de... C'était voilà. sa technique à lui. Ça, faut donner le copyright, les droits de montée en puissance à Chopper. À Chopper. Tony Heisenberg. Il est là. Non, je suis pas il d'accord. Il est là. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Regarde-le, l'autre. S'il avait pas... Si le combat s'était fait de nuit, il aurait pu faire ça sans C'était pas de nuit. Point. Voilà. S'il n'aurait pas eu sa pilule, l'eau serait dead. Voilà. Voilà. Non, moi ce que je retiens, c'est que Beppo sauve, voilà, il sauve Lucci. Alors déjà Lucci, Law, voilà Law. Je sais pas pourquoi j'avais Lucci en tête. C'est pas grave. Bref, voilà, il sauve Law. Voilà, Barbe Noire est choquée, complètement choquée. Bah, normal, il s'est dit attends, l'autre il a servi à rien pendant les 20 minutes qu'on leur a pété la gueule. Il se dit attends, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Non, c'est normal qu'il est choqué. C'est là. Remixez pas l'histoire. On les a froissés sans grand mal. Les autres, ils étaient là en train de nous envoyer des attaques à la carapuce. L'autre, il a servi à rien à part faire 2-3 prises de kung-fu. Mais regarde-le, il pisse le sang par terre. Il prend une dose de schnouf. Maintenant, c'est un grizzly. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal qu'il soit choqué. On sait pas remixer la situation. Non, je vais soutenir Beppo. Voilà, moi ça fait longtemps que j'attendais qu'il nous sorte enfin sa forme sous l'ongle. Il l'a sorti. Il la sort deux jours parce que le mec est inutile deux jours aussi. Deux jours comme deux nuits apparemment. Oui, je le dis, deux jours comme deux nuits parce que bon, à Onigashima pleine lune, il avait absolument toutes. Oui, mais parce que toutes. Mais parce que scénaristiquement, c'était pas le moment. Tout Zo qui était en mode Soulong contre les troupes de Kaido, sauf ce trou du cul. Parce que c'était pas le moment de sortir. Pas le moment. Là, c'était le moment. Là, c'était le moment face à Barbe Noire. Ouais. Non mais. Puis c'est ce qu'il fallait pour sauver Law. Non mais bravo à lui. Non mais c'était. Il a sauvé Law. Oui, bah il a réussi à sauver son capitaine. Bravo voilà. à lui. Capitaine d'ailleurs qui lui demande de faire demi-tour. Oui, bah pour aller récupérer les autres. Sauf qu'il a dit ouais, mais vous inquiétez pas pour t'inquiète, eux. T'inquiète, sont, t'inquiète. Les autres ils savent nager. Ouais, et voilà. Voilà. Ok. C'est pas grave. Non mais c'est bien. Ah, parce qu'en tout cas c'est clair qu'il a réussi à choper Law puis à partir dans Law quoi. Donc il aura fallu attendre le chapitre 1081. Pour que Beppo fasse le minimum pour que Beppo... en tant que second de son capitaine, c'est-à-dire le sauver. Chapitre 1081. Alors que Killer, c'est un ride or die de ouf. Zoro, bah, y a plus besoin de compter tous ses exploits, tu vois. Et tous les autres, pareil, tu vois, Rayleigh, tout ça, nanani, nanana, King, etc., etc. Beppo, chapitre 1081, se réveille enfin. Après son entrée tonitruante à Wano, où monsieur avait la chiasse, il pouvait pas se montrer en public. Parce qu'il avait mangé des baies qui étaient pas mûres. Oh. Mais bon, tranquille, voilà, il a sauvé son capitaine. Bravo à lui, là, y a pas de souci. Non, mais y a pas de souci, je respecte ce moment. Je respecte. Vous voyez, moi, j'essaye de défendre Beppo. J'essaye de défendre Beppo, mais lui, il a décidé de l'enfoncer. Non, mais moi, ça a fait... Il a décidé de l'enfoncer. Pour moi, ça a encore plus prouvé que c'était une guêpe verte.
On savait qu'il avait une forme sous longue. On savait. C'est juste que là, le voir la fille l'activer avec une Rumble Ball de Chopper, moi je me dis, mais allez, frère, casse pas la tête. Alors par contre, pour être honnête, parce que bon, là, depuis tout à l'heure, je suis dans le... Par contre, encore une fois, Chopper, incroyable. Incroyable. Mais, j'allais y venir. Parce que pour être honnête, là, depuis tout à l'heure, je suis dans le... Voilà, j'essaye d'embellir un peu Beppo pour le... Voilà, un peu quand même. Mais le... comment ça marche, cette merde? D'où, avec une Rumble Ball, ça active le truc sous longue. Parce que la Rumble Ball de Chopper, c'est fait pour lui, parce que c'est un Zoan. Oui, mais bon, Chopper, c'est un master scientifique. Ça marche comment? Ça, ça marche, ça active le... Ça active tes gènes, c'est genre, c'est comme si t'avais les propriétés de la lune dans ton corps. Et à quel moment Chopper, il a donné ça à Beppo? Comme comment Bah, à Wano, sûrement. Sûrement à Wano. Oui, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Tu voulais qu'on le voie? Ça aurait tout gâché. On aurait prévu le truc après. Genre, déjà, les mecs, ils ont jamais interagi ensemble. Et tu vois Beppo qui arrive. Frérot. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a dû lui donner après le combat contre Big Mom et Kaido. Oui. Voilà. Bah oui, pas avant. Mais non, mais de toute façon, avant. Et sinon, c'est encore pire. Non, mais voilà. Mais... Moi, tout ce que je vois, non, c'est encore pire. Tout ce que je comprends, c'est que Beppo, il est arrivé en tant que crackhead devant Chopper en mode hey, mec, t'as vu à quel point je servais à rien pendant la guerre là? Est-ce que t'aurais pas une petite Rumble Ball qui puisse me booster quand il n'y a pas de lune en fait? C'est ça le truc! C'est pour ça qu'il est guise! Parce que je le vois là en train de venir le voir, hé hey, poteau, j'ai vu à quel point vous étiez tous balèzes. Est-ce que tu peux pas me balancer un petit truc qui pourrait me booster pendant qu'il fait jour? Non, puis à Wano, il avait été énervé, tu sais, quand ils avaient été foutus en prison, là. Ouais, bah ouais. Il était énervé à ce moment-là, il avait dit, ouais... Ah oui, bah ouais, bah parce que c'était... Ouais, même que Law avait été obligé de se sacrifier pour eux et tout. Qu'il avait dit, ouais, c'est de notre faute, c'est le capitaine, il s'est fait attraper, machin et tout. Donc à mon avis, c'est lié à ça aussi. Inutile de jour comme de nuit. C'est tout. Ils avaient été capturés à quel moment? En plein jour. Onigashima, ça s'est passé à quel moment? En pleine nuit. Mais une longue nuit, en fait. Mais c'est pour ça que je te dis que je pense que la pilule, oui, il a dû lui donner après. Ouais, bah oui, mais après la guerre. Il était conscient qu'il avait été à chier, qu'il a servi à rien, tu vois. J'ai dit, mec, vas-y, file-moi un de ces trucs, là. Beppo le junkie. Beppo le crackhead. Voilà. Donc, respect sur Chopper. C'est un bon bicraveur, tu vois. Il a bien filé son petit truc là. Tranquille, ça passe, y a pas de souci. Bravo à lui. Et bon, bah, ça change pas le fait que bon, l'équipage de Law a subi une écrasante défaite. Dis bravo, Beppo, quand même. Ah, mais il a réussi à sauver son capitaine. Voilà. Je lui accorde ça quand même, merde. Quand même, voilà, il l'a dit quand même, c'est bon. Mais c'est le plus gros fait de son existence, donc je vais quand même lui accorder. Ouais. Là, au-delà de ça, sinon, il pue la merde, hein. Je l'ai toujours dit. Mais bon. Sa forme sous longue, il la sort grâce à Chopper, c'est sinon, tout. Sinon, voilà, pour être honnête, on est bien d'accord que c'est vraiment le plus weak de tous les secours. Plus gaze. Ça, gaze. Franchement, est-ce qu'il y a même débat un jour? Même le... Comment il s'appelait, l'autre, là? Le second de Don Creek, là. Comment il s'appelait? Ah, Jean. Jean, même lui, il était plus... Jean, oh là là. Mais tu vois, lui, il a pas attendu je sais pas combien de chapitres pour sauver son capitaine. Capitaine qui lui a mis à l'envers en plus. Oui, en plus c'était un enculé. Bien sûr. Capitaine, tu vois. Il l'a pris, il a dit vas-y c'est bon, on se casse. Tu vois. Même lui il était meilleur. Clairement, sans difficulté. Non mais tous les jours. Alors c'est ce qui veut pas dire que je le rappelle, bon, je l'avais complètement oublié ce salopard. Alors ce qui veut pas dire que voilà en termes d'affection et tout, on voit bien que voilà l'équipage de Law ils adorent leur capitaine, oui, voilà, tout voilà, ça c'est très bien, mais sauf que bon il est un peu solo niveau puissance Law. C'est pas un peu, il est complètement solo. C'est pour ça que j'accorde autant de mérite à Killer. Lui, il était sur le toit, lui. Ouais. Il était sur le toit, ce que Sanji n'a pas fait. Mais Sanji, tranquille, lui, il avait ses gros combats à côté. Tu vois. Au moins, Killer, il était sur le toit avec les autres. Ouais. Au moins, Killer, c'est un supernova. Beppo, il a une prime à la Chopper, en plus, lui aussi. Parce qu'il croit que c'est un... je crois, justement, c'est dans les SBS aussi, je crois, parce qu'il croit que c'est un animal de compagnie, lui aussi. Il a pas une vraie prime. Normal, il sert à rien. C'est tout. Oh, bref. Bref. Bref.
Bon, chapitre 1082, allons-y et prenons-le. Allez, on va aller vite pour celui-là. Ouais. Bon, petite page, enfin, petite couverture. Oui, bon, bref, avec Chopper qui confond Zeus avec les barbes à papa, le truc de base. On s'en bat les couilles. Alors, on apprend que le vice-amiral T-Bone est mort. Merde. Ouais, c'est une piste. T-Bone. C'était un des bons amiraux de la... Enfin, un des bons Water agents Seven, de la marine. Water Seven Zoo. Ouais. One shot. One shot gang. Ah, écoute. Mais c'était un bon. C'était un mec qui était... qui avait du conduit. Enfin, qui avait de l'intérêt pour ses camarades. Tu vois. C'était un bon marine. Ouais. Il avait... Tu vois, il pensait aux civils, etc. etc. Donc, c'était un bon. Donc, rest in peace, petit ange parti trop tôt. Avec sa moustache. Non, mais putain, sa moustache et son bouc. Tout ça pour faire un thé. Mr. T-Bone. Bref. En tout cas, oui, bon, bah, apparemment, il est mort. Mm. Et puis, ça, du coup, évidemment, ça fait la une du journal. Ouais. Et puis, du coup, bon, bah, on retrouve Sengoku et Tsulu en train de discuter de ça. Donc, voilà. Oui, de toute façon, maintenant, tous les marines, on a une prime sur nos dettes. Ouais. Si on laisse cette situation se propager, vraiment la marine, on va perdre de notre superbe. C'est, là, c'est ça, c'est carrément les civils s'ils qui... S'ils en avaient pas déjà perdu énormément. Mais oui, non, mais bon. Et puis ouais, non, ils disent là, quand même, c'est quand même les civils qui vendent les amiraux, enfin qui vendent les vice-amiraux. Là, c'est ça. Le monde est sur la tête. Voilà. Parce que ce qu'elle disait, c'est que voilà, il y a des. Bah, évidemment, il y a plein de civils qui ont besoin d'argent. Voilà, c'est ça. Et que du coup, forcément, s'ils voient un petit marine qui passe par là. Voilà. En plus, un marine avec une bonne prime et tout, bah, ils vont peut-être vouloir l'attaquer. Parce qu'en plus, on a parlé en off, mais on se disait, ouais, non, mais comment ça se fait que les civils ont réussi à voir T-Bone, tu vois. En même temps, vu à quel point il était adoré et vu à quel point il se souciait des gens, tu vois, j'ai l'impression qu'il n'a même pas réussi à se défendre correctement, en fait. Je pense qu'il a dû se dire, ah, c'est des civils, j'ai pas envie de les flinguer, tu vois. Il a dû se dire, ah, vas-y, ils font pitié et tout, ils ont besoin de thunes et tout. Après, je trouve ça quand même fort qu'il a réussi à le buter. Mais je me dis que il a dû se dire, ah, vas-y, il peut pas se donner à 100%, quoi. Ouais, peut-être que c'est ça, en vrai. Parce que c'est vrai que je me posais la question de... Comment les civils ont réussi à l'avoir, mais peut-être que c'est ça. Moi, je sais, parce que moi, je vois vice-amiral Thibault, je me dis, mais attends, à aucun moment, les mecs, ils peuvent arrêter un mec comme Smoker, par exemple. Là, je me dis, bien sûr que non. Mais là, je me dis que c'est tombé sur lui parce que, justement, il a dû se dire, ah putain, et puis il a dû se faire tabasser. Non, peut-être qu'il s'est laissé attraper, tout simplement. Enfin, laissé attraper et que, bon, il n'a pas vu le truc venir et qu'il l'a vraiment buté, tu vois. À mon avis, ça a commencé déjà par une attaque surprise, ouais. Parce qu'en effet, il va pas se méfier des civils, ouais, tu vois. Ouais, s'il arrive, machin, bon, allez, tranquille, les civils, puis qu'il y en a qui arrivent, qui commencent à l'attaquer dans le dos, tu vois. Bon. Enfin, bon, bref, en tout cas, voilà. Ouais, ils commencent à se dire que... Là, du coup, les anciens, ils commencent à se dire que, voilà, il va falloir certainement faire tomber... La Cross Guild. Parce que là, ils sont vraiment en train de leur mettre une terrible épine dans le pied. Exactement. Là, la buggy, il fout la merde. C'est ça. Et du coup, Sengoku finit par dire, bon, il est où Garp? Il est où Garp? Et bah, t'as Ina qui arrive, qui dit, bon, bah... Il est parti sauver Kobe. Ouais, il est parti chercher Kobe, et puis il a emmené ta petite fille en même temps. Quoi? Ouais, ça me fume trop, putain. Non, mais Garp, ouais, non, mais vas-y, mais tu me dis pas quoi faire, moi, je dois me barrer. En fait, tu vois, le train de vie de retraité qu'ils ont, tu vois, il lui a vraiment dit, bon, il est où, parce qu'il y a des nouveaux gâteaux de riz qui sont arrivés, là, j'aimerais lui montrer, tu vois. Vraiment, les petits vieux à la maison de retraite. Ouais, t'as vu le nouveau paquet de riz? Enfin, le nouveau paquet de biscuits, là, il est pas mal, hein. Il est où, Jérôme, là? Ouais, dis-lui qu'on a reçu les nouveaux gâteaux de riz, là. C'est bon, c'est ça, c'est les retraités, mais c'est les retraités badass. Ouais, c'est ça. Ils sont badass. Ouais, c'est ça, c'est juste que Garp, là, il est pas parti faire un petit tour dehors, il est juste parti aller soulever quelqu'un pour récupérer son fiston, quoi, tu vois. Exactement. Mais bon, bref. Il est parti faire une descente. En tout cas, Garp, il fait ce qu'il veut. Ah ouais, ouais. Il est parti, il a dit, je vais faire des bavures. Ouais, ouais. Voilà. T'es fier de lui, tu vois. Je vais faire des bavures, je reviens.
Non, 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 non. Il a pas dit... il a rien dit à personne. Non, oui, il a rien non, dit. Il a pas dit je reviens. Non, parce que, il a pas... dit je vais faire des bavures. Crois-moi que Sengoku, il aurait pas dit ouais, tranquille, vas-y, à tout à l'heure, poteau. Tu vois. Non. Il a dit ouais, je me casse. Personne ne croit. Par contre, je trouve ça fort que... personne qui sont au courant. L'autre, il a pris son bateau et les mecs, ils sont pas au courant que Garp, il est parti. En délire. Alors, en bref, respect. C'est là que tu vois qu'il est pas du tout surveillé. Ah non, non, bah non. Il est pas du tout surveillé. Mais quel idée de pas le surveiller aussi, là, putain de merde. Non, mais il a pas ce droit, Garp. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Garp, les gens le respectent tellement. Il avait dit, voilà, il a le passe droit. Ils ont pas envie. Déjà, je pense qu'ils ont pas envie de se le mettre à dos, déjà. Oui, parce qu'on peut comprendre pourquoi. Ouais. Puis voilà, c'est le héros de la marine. C'est le héros. Il y a un statut, tout. Tu dis, ah, vas-y, là, il a forcément raison. Laissez-le faire. Une baveur de plus ou de moins. Bon, puis après, on va du côté de la Cross Guild. Voilà, sur l'île de Buggy. Exactement, voilà. Alors, avec Buggy qui est en train de féliciter la personne qui a descendu... T-Bone. Qui a descendu T-Bone. Donc, apparemment, c'est cet homme. Cet homme, voilà, qui a l'air... frêle, le fragile. On voit bien ce que Oda veut nous laisser comprendre. Quoi, c'est vraiment le mec qui, socialement parlant, est dans une situation compliquée. Ouais, mais en plus, j'aime le petit la petite onomatopée derrière en mode PAM, voilà, c'est lui, quoi. Genre, tu t'attends pas à ce que ce soit ce mec là qui est battu un vice-amiral, enfin qui est tué un vice-amiral, quoi. Ouais. C'est ça. Alors Buggy qui est là, ah, félicitations, ouais, voilà, c'est bien ma gueule. Voilà, bon, puis on voit que cet homme-là, il vient justement dans un endroit où les gens crèvent de faim. Voilà, sa famille, est en train de crever. Son Otsuru, juste avant. Et puis, bon, bah voilà, quoi, le gars, il est acclamé, l'équipage le soutient. Voilà, là, de toute façon, maintenant, tu fais partie de l'équipage de Buggy, le clown. T'es pas n'importe qui, mec. Voilà, là, maintenant, tu fais partie d'un vrai truc. Ouais. Ici, t'es pas chez Kaido, t'as vu. Là, t'es chez Buggy le clown, t'as vu. Alors, c'est sûr qu'il sera mieux traité ici que chez Kaido. Ah oui. Ah, ça, c'est sûr. Déjà. À choisir, vaut mieux. Oui, il faut choisir Buggy. Ouais, parce que, en ce moment, c'est pour aller chez Kaido et on te refile un fruit de merde, un smile de merde pour que t'aies un. Bah. Pour être honnête, ça, c'est Orochi. Pour être honnête. C'est pas vraiment Kaido qui a fait ça, tu vois. Kaido, même à l'époque où il avait vu ça, il avait dit, oh, Orochi, t'as vraiment un humour de. refiler les smiles déjà entamés pour que les gens ils aient un sourire figé sur la gueule, ça, c'est Orochi. Hey. Mais refiler un smile pour que t'aies des pouvoirs d'un fruit du démon. Ah oui, à son équipage, oui. Ah oui, d'accord, tu parles de ça. Voilà, ouais. C'est ça, parce que bon, si on dit, vas-y, mange un smile, t'inquiète, tu vas avoir des pouvoirs de ouf, et tu manges le truc, tu te retrouves avec le cul d'une chèvre, flemme. Oui. T'as une tête de lion à la place du chibre, vas-y, flemme. Oh, qu'est-ce qu'il était merdique, lui. Hold'em, putain. Hold'em, ouais, oh, c'était ça son nom. Non, j'avoue, là, c'est Oda qui partait en couille avec ses smiles, putain. Il a été inspiré. C'était vraiment pour nous montrer que c'était de la merde. C'était vraiment gay, tu vois. C'est genre, voilà. Tu vois ce que ça fait de manger un fruit de César Clown. Ben, voilà. C'était une critique sur les merde, les OGM et tout ça. Oui, si on peut, ouais. Je pense. Hein. Ouais. Bon, ouais. Manger naturel. Ouais, bah, manger bio. Oui. Après, bio, c'est cher. Donc, faut avoir les moyens. C'est cher. Tu veux manger full bio, c'est que t'as du bif. Parce que moi aussi, je veux bien manger bio, hein, mais j'ai pas le portefeuille. Donc, on casse les couilles. Mais bon, bref. Il y a un de ses subordonnés de Buggy qui allait dire que voilà, ça y est, le navire de la Cross Guild est prêt. C'est ça. Voilà. Donc allez, faut y aller, let's go, ouais, et puis là, bah du coup, on voit le bateau. Voilà, parce que bon, Buggy, il avait dit à Crocodile et Mio que bon, ça allait être un truc propre, parce qu'il a des putains de charpentiers. Que, voilà, ils pensaient que ça allait être un truc neutre, mais... Arrivé là, grosse tête de Buggy à l'avant. Ouais. Franchement, le bateau est classe. Ah, le bateau, il tabasse. Hein. Ouais. Le petit chapiteau et tout. Ah, c'est le bateau de Buggy. Ouais, c'est ça, c'est le bateau de Buggy. C'est ça le problème. Voilà, parce que là, forcément, t'as Crocodile et Mio qui tirent la gueule. Ah, voilà. Physis, tu crois vraiment qu'on va monter là-dessus? Ouais, non, je... Tu crois vraiment qu'on va utiliser ce truc pour voyager partout? Un bateau de clown comme ça. Oh, et puis les gueules de Buggy, putain.
C'est très bien qu'il va se faire démonter pendant une heure. Putain. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Oh putain, non mais non. Ah et puis là, c'est juste pour balancer des shots. T'as encore des gens sur Twitter qui pensent que Naruto c'est plus drôle que One Piece, mais faut vraiment aller se faire foutre. Oh, faut vraiment aller se faire foutre. Oh non. Oh non, mais frère. Oh non. Faut vraiment aller se faire foutre. Oh non, mais là c'est à toi que je dis non. Oh non. Parce que là, tu ramènes ce sujet sur la... Non, il dit ça juste vite fait comme ça. Oh là là. Il dit ça vite fait. J'ai vu le sujet flotter l'autre jour. Mais si, mais ils sont sérieux. Oh là là. Ils sont sérieux. Non, je veux bien qu'on discute de tout et n'importe quoi pour comparer One Piece et Naruto. Mais là-dessus, s'il y a bien un truc sur lequel Naruto se fait fusiller par One Piece, c'est sur l'humour, frère. Il n'y a même pas besoin de forcer. Oh. Regarde-moi ça. Simple fait de voir la race de bon, Buggy. Là. L'humour de Naruto, c'était... Les Six Jutsu, quoi. Ouais, les mille ans de souffrance, tu vois. Mais ça s'arrête là, frère. Non, mais ça s'arrête là, frère. Bon, non, mais c'est vrai. Six Jutsu, Aramno Jutsu. Après, au-delà de ça, c'est pas non plus. Ah, non, bref. Un Naruto qui prend des droites, voilà, c'est super. Mais bon, bref, voilà. Oui, de Sakura. Oui, bah oui, c'est ça, je veux dire. Non, mais, ouais, mais... Que c'était... Non, c'était censé être comédique, tu vois. Ouais. Mais bon, bref, voilà, tu vois des trucs comme ça, tu te dis, mais vas-y. Bref. Donc, une réunion s'impose entre les têtes pensantes de la Cross Guild après, ce fiasco du bateau. Là. Ah, fiasco pour les deux autres, en tout cas, parce que... Bon, c'est quand même eux les vraies têtes pensantes du machin. Hein. Ah, ils ont accepté que ce soit lui le poster guy. Alors, il y a quand même des limites. Ils ont accepté, bah accepté. Il y a quand même des limites, tu vois. Dans ce cas-là, fallait pas accepter, fallait dire oh non, c'est une merde, c'est nous les boss. Oui, mais bon, tu vois, les mecs, ils se sont dit bon, c'est lui qui est le poster guy, tu vois. Puis jamais, si on se déplace, on va avoir. Non, mais tu vois, genre, on va avoir un truc tranquille, l'autre. Si t'as pas le gros clown sur le machin, vas-y. On va sortir du machin, on va se foutre de notre gueule, limite. Ouais. Et là, du coup, bon, bah voilà, ils sont en train de discuter, ils disent, ouais, bah c'est bien. Ouais, la Cross Guild marche bien. La Cross Guild marche bien, là, l'objectif c'est qu'on devienne vraiment un état militaire. Voilà, enfin, ils ont des objectifs. De gros objectifs quand même. De gros objectifs, mais des objectifs assez terre à terre. Oui, voilà, c'est ça. Et là, on va dire ça comme ça, c'est pas rêveur. Non, ça fait pas rêver comme objectif. Il n'y a pas de romance là-dedans. Et voilà. Ça manque de romance, la romance à la piraterie. Voilà, quoi. C'est ça. Voilà, c'est, voilà. Ça manque d'aventure, tout ça. Donc, ouais, ça part de faire du bif, tout ça. Voilà. On va amasser un peu de pouvoir, mais. Et là, du coup, Buggy, il dit non. Là, vos objectifs, là, vous considérez pirate en ayant pirates, des objectifs, les frérots, là. Des objectifs pareils. C'est quoi ça? C'est pas sérieux. Vous faites tout à l'envers. Là, il va falloir qu'on fasse les choses bien. Voilà. Et là, il nous parle même des... Du fait que Shanks soit en mouvement. Exactement. Ouais. Exactement, il revient à Shanks et il dit, à l'époque où Roger, on le capitaine Roger a été à l'Instel, on n'a pas pu y aller. Parce que... J'ai eu la chiasse. C'est une histoire aussi. Il a eu la fièvre, surtout. Oui, la fièvre. Oui. J'aime bien dire la chiasse, tu vois. Oh, Beppo avait eu la chiasse. Oui, Beppo, c'est vraiment la chiasse. Mais oui, voilà. C'était la fille. Voilà. Et c'était pour un moment clutch, en plus. Voilà. Pour un moment clutch. Il y a juste une fièvre. Voilà. C'est la fièvre. Il le rappelle quand même. Vous vouliez faire quoi, vous, à l'époque là? Parce que nous, on était à l'Aftel, on a vu l'exécution de Roger, mais vous vouliez faire quoi, vous, à l'époque, quand vous êtes lancé dans la piraterie? Merde. C'est ça. Et puis là, il remet du respect sur Chance, là, il me dit, c'est bien, c'est pas mal. C'est ça, parce qu'il se souvient, justement, juste après l'exécution, ils ont eu une discussion, apparemment. Non, mais avant même la discussion, ils voyaient le potentiel de Chance quand ils étaient sur le navire, tu vois. Là, oui. Quand il était avec Roger, tu vois, là, derrière, il dit, bon, ok. Chance, c'est déjà le futur, je vais me mettre sur le côté, ça reste le poteau, mais je vois le truc, tu vois. Je vois le truc venir, je valide. Ouais. Et le jour de l'exécution... Chance, il dit, ouais, bon. Enfin, il y a Buggy qui lui dit, bon, tu vas aller à l'Aftel avec ton équipage, comme tu l'avais tant dit autrefois. Il dit, oh non. Et c'est ça, et Chance, il a dit, non, c'est. Enfin, je veux toujours devenir pirate. Enfin, je veux être un pirate et je vais continuer à être un pirate. Mais pour le One Piece, je vais attendre, quoi. Pas maintenant.
En gros, il voulait sûrement dire qu'il n'était pas prêt, quoi. Ouais, simplement. Il voulait pas poursuivre cette ambition maintenant, mais après, moi, je pense surtout... enfin, à ce moment-là, je pense encore au fait de... Bon, Roger est revenu de l'Aftel et qu'il lui a posé une question et qu'il a pleuré, tu vois. Dit, c'est peut-être ça qui a un peu cuté son ambition, tu vois. Ouais. C'est vrai. Et puis, ouais, bah, tu vois que Buggy est déçu. Et du coup, Buggy était déçu, et puis il a dit, ah, bah, tu veux pas, espèce de lâche, ouais, tu vas voir. Ouais, t'es futur, mec, tu fais quoi, là, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu laisses tomber, et du coup, c'est à partir de là qu'ils se sont séparés. Voilà, c'est ça. Bon. Là, je mets plus de respect sur cette version, par exemple. Là, tu vois, là, il se dit, putain, tu veux pas suivre les traces du capitaine, quoi. T'es l'élu, c'est à toi qu'il a filé le chapeau, tout ça. Pourquoi? Donc, et du coup, ce serait plutôt à cause de ça, ouais, qu'il lui en voudrait. En là, je veux bien croire. Voilà. Plutôt que... Ouais, il m'a fait avaler le fruit, là. Ouais, il m'a fait avaler le fruit, j'ai perdu la carte. Voilà, c'est genre ça défend. C'est genre, à cause de toi, j'ai perdu la carte. Non. Genre, mec, t'as pas suivi tes ambitions, merde. T'as pas suivi l'ambition du capitaine. Voilà. C'est mon frère. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, en plus, il a vraiment dit, parce qu'en plus, c'est... Oui, je vois en plus comment... Enfin, maintenant, je repense au truc, c'est genre... C'est Chance qui avait dit, on ira plus tard à l'Aftel, parce qu'en plus, c'est pas Baggy qui a dit à Chance de rester à son chevet, tu vois. Non, Chance, il est vraiment resté son plein gré, il a dit, bon, bah, on ira plus tard. On ira plus tard, non, puis là, maintenant, il dit, non, je veux pas y aller. Il dit, mais attends, tu te fous de ma gueule. T'as perdu l'occasion d'y aller à cause de moi, et là, tu veux plus y aller? Non, mais c'est vrai, c'est sûrement à cause de ce que Roger lui avait dit. Je sais pas qu'est-ce que... Ça sera dévoilé plus tard. Il a dû lui demander un truc là-bas. Sur quoi? Je sais pas. Vous savez, ça va être un plot twist de ouf. Ah, je sais pas. Et puis du coup, bon, bah voilà. Ah, il dit, bon, maintenant que Shanks il passe à l'action, après 24 ans, là, il est temps que je me mette moi aussi en route. Surtout que maintenant, on est au même level. Ouais. Bah, puis, oui. Voilà, il dit bon. Voilà. Non, mais en plus, il dit bon, on est sur un pied d'égalité, mais bon, moi j'ai fait que échouer vers le haut. Voilà. J'ai fait qu'échouer vers le haut et maintenant on est au même stade. Donc pourquoi pas y aller maintenant? Donc voilà, donc il dit je veux devenir le roi des pirates. Or. Oh. Alors il se dit, ah voilà, ok, ouais, ouais, Baggy il a des grosses ambitions. Puis au point où Mihawk et Crocodile ils sont étonnés, ouais, hein, ils sont surpris. Ouais, parce que là, il s'est couille. Mais de toute façon, depuis qu'ils ont débarqué chez lui, ils ont fait que lui mettre des gifs, tu vois. Et là, maintenant, il parle avec de... Oui. Attends. Ouais, tu sais, puis il veut pas se taire, quoi. Non, c'est ça. C'est genre, ils ont envie de lui dire, ferme-la, mais non, il continue à parler. Regarde, puis là, même, il le frappe. Ouais, il le frappe après. Oh, allez, vas-y, ferme-la. Bon, qu'est-ce que tu racontes, toi? Et du coup, ils veulent l'empêcher de parler, mais ouais, il continue. Il essaie même de s'adresser à ses hommes. Mais le truc, c'est qu'ils lui disent vraiment, mais... Là, on joue pas aux pirates, tu vois. On n'est pas dans les trucs, les fantasy One Piece. Ils continuent à le sous-estimer. Ouais, c'est ça. Mais non, mais eux, ils disent, non, on n'est pas dans la fantasy One Piece. Nous, on veut faire un truc logique, cohérent, là, avec les moyens qu'on a, tu vois. Puis même Mihawk, il se dit, ah, tu veux vraiment hein, qu'on aille se mesurer à Barbe Noire, Shanks et Chapeau de Paille, tu vois. Non, mais rien que dit comme ça dans la phrase, encore une fois, ça pose le statut de Luffy, moi, ça me... Tu vois. Et tu veux se mesurer à Chapeau de Paille, frère. Le simple fait que ça sorte de Mio, je me dis, mais putain, c'est l'évolution des gars. Parce que bon. Parce que là, Mio, tu vois, Luffy et son équipage, ils sont plus grands que Mihawk, là, tu vois. Ah oui. Et bah oui, mais c'est le simple fait de voir la validation, tu vois. C'est genre, on va aller se mesurer à Chapeau de Paille, là. De toute façon, il n'y aura jamais de 1-1 Mihawk Zoro, ça, moi, j'y crois pas, moi. Moi, j'y crois moyen aussi. Ça n'arrivera pas, hein. Ça n'arrivera pas, bon, à partir du moment où il l'a entraîné, de toute façon, c'est bon, c'est son sensei. Ouais. Voilà. Voilà. C'est son sensei. Tu tues ton sensei, t'es un ronin ou je sais pas quoi. Tu vois. Voilà, c'est... Alors, voilà. Après, techniquement, Zoro, c'en est un petit peu un, mais bon, voilà. Oui, mais non. Voilà. C'est un good guy. Ouais. C'est un good guy, et il n'y a pas d'ambiguïté, tu vois. C'est pas genre le personnage qui est dans le gris, genre une sorte de djinn, tu sais, à la Samurai Champloo, oui, ouais, qui a tué son sensei, ouais. Mais parce que le sensei... Ouais, voilà, tué, parce qu'il voilà, y avait des bisbis. Voilà, non, tu vois, il n'y a pas de truc comme ça, là, c'est pas possible, tu vois. Donc bon. Et puis, Baggy commence à lancer un appel aux arbres, quoi. Non, on est dans une course au trésor. Pourquoi on se positionnerait pas, quoi? Voilà, du coup, c'est pour ça il fait appel à ses hommes. Hein. Il dit, allez, on va aller chercher le One Piece. Voilà, on n'a pas pris la mer pour rien. On est là pour quoi, les gars? Voilà. Hein, on est là pour faire quoi? Pour aller chercher le One Piece, merde. Voilà, et puis ils ont voulu l'empêcher de parler, Mihawk. Oui, mais non, mais comme par, parce qu'encore une fois,
Ils ont kické sa tête à côté d'un Denden Mushi. Ce mec, il fait que déchouer vers le haut, c'est incroyable. La chatte qu'il a, c'est improbable. Voilà. Donc voilà, donc du coup, maintenant, ils sont cuits, tu vois, Crocodile et Mihawk, là, ils voient que, putain, ça y est, du coup, il a monté tous les hommes pour ce truc-là, quoi. Maintenant, impossible de faire marche arrière, ouais, enfin, ça, tu vois. Ouais. Parce que maintenant, les hommes, ils vont dire, on y va, vous faites quoi, là? Oh, les gars, faites les pédales, là, c'est comment? Maggie, il a dit, on va le chercher, pourquoi vous voulez pas? Oh, vous avez peur. Bon, là, ils sont obligés. Donc oui, Baggy devient officiellement leur capitaine. Non, mais c'est officiel maintenant, tu vois. C'est clair. C'est leur capitaine, il a son bateau, c'est tout, c'est son équipage. Wow. C'est ses subordonnés. Putain de merde. C'est incroyable. Bon, et puis après, voilà, on va au royaume de Quai des Traves. Donc, dans le... Oh, le nom me fait toujours rire. Oh, c'est un truc qui pourra tellement jamais être adapté en live action. Si un jour ils en arrivaient là. Non, mais si, enfin, ces personnages-là, oui. Mais le simple fait d'appeler le royaume comme ça, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas s'ils vont le faire. Même le personnage en tant que tel. Frère. T'es ouf! Ivankov et compagnie. T'es ouf! Tu crois vraiment qu'ils vont passer à côté de l'occasion de faire autant de diversité? D'inclusivité? Ouais, mais je sais pas si tu. De l'inclusion. L'inclusion, d'accord. Pour voir. Putain, franglish. De l'inclusion, je veux bien. Mais là, il y a un côté, tu sais, il y a un côté quand même un peu. On tourne ça un peu quand même. Mais t'inquiète, à l'humour, à la justement, dérision, c'est le moment où il faut faire l'adaptation. Oui, voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais c'est le moment où ils vont faire de l'adaptation, t'inquiète. Je suis pas sûr que vraiment Ivankov il se baladerait en barésie toute la journée. Tu vois. Mais les concepts de base, ils vont rester, bien sûr. Mister Two et tout. Mister Two, y'a pas grand chose à changer. C'est Ivankov le vrai problème. On va pas se balader en barésie toute la journée, c'est tout. Sandy, bref, on n'est pas là. Il va lire ses livres sur le cocking, là, et puis voilà. Et donc, du coup, voilà, on retrouve du coup l'armée des révolutionnaires. Voilà, donc on retrouve les assistants de tous les vice-capitaines, enfin, tous les capitaines de chaque coin de l'armée révolutionnaire, quoi. C'est ça. Bon, un peu aux aides de tous. Oui, bon, on s'en fout. Bon, au final, ils nous les apprennent. Bon, j'imagine que ça aura un intérêt pour la suite. Oui, ça fait des membres reconnaissables dans l'armée, tu vois. Donc, ça prouve qu'il y a des rangs, encore plus de rangs que prévu, quoi. Il y a des rangs, puis ils seront certainement réutilisés par la suite. Mais bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de personnage qui ne sert à rien dans une pièce. Enfin, voilà, donc c'est... Oui, voilà. Oui, il y en a qui ne servent à rien. Donc j'imagine que c'est ça aussi. Donc ouais, voilà. Pour, c'est donc voilà, donc... Que, Sabo est de retour. Sabo-kun est de retour, donc moi qui croyais qu'il était mort. Absolument, personne n'y a cru. Voilà. Donc voilà, donc il est de retour. Il est revenu de Lucia, il a ramené quelques habitants de là-bas, d'ailleurs. C'est ça. Et bon, il y a Koala qui l'agresse. Oui, voilà. Parce qu'elle était inquiète, ouais, voilà, tout ça. C'est sa waifu, quoi. Voilà, on a compris. Ouais. On a compris qu'il allait avoir beaucoup d'enfants avec elle. Oui, on a compris ça. De toute façon, ok, assure. Et donc, il fait comprendre que, bon, il pouvait pas les contacter pour leur dire qu'il n'était pas... Enfin, qu'il était toujours vivant, quoi, parce que bon, il était sûrement sur écoute, quoi. C'est ça. Et puis, après, il va se mettre à discuter, du coup, avec les deux patrons. Oui, ouais. Ouais. Tout le monde est content qu'ils soient revenus. Ils ont ramené des personnes en plus qui vont rejoindre les rangs de l'armée révolutionnaire, dont, comment elle s'appelle, la fille qui, justement, avait échoué dans les nibards de Bello Betty, là. Et qui, en plus, dans les petites aventures de l'époque, avait donné du lait à Ace. Donc, tu vois, la boucle se boucle un peu. Non, mais Oda et ses trucs, laisse tomber. Maintenant, elle fait partie de l'armée révolutionnaire. Ouais, et donc voilà, conversation Dragon, Ivankov, Sabo. Donc ça discute. Et c'est bon, on voit enfin pour la première fois le logo de l'armée révolutionnaire. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit, ouais. C'est la première fois. Oui, mais dit. C'est la première fois, donc oui, c'est une tête de dragon, avec les ailes de dragon. Voilà. Avec les lettres Revolutionary Army. Yeah, c'est ça.
Ça fait très Red Ribbon, tout ça. Ouais. Mais... Et bon, voilà. C'est une armée, hein, de toute façon. Et bon, voilà, et du coup, Sabot, clairement, évidemment, il va falloir qu'il raconte ce qui s'est passé à Marie-Joie, quoi. Là, ni plus ni moins. Hein. Ni plus ni moins, ils sont assis pour ça. Ouais. Et là, du coup, il faut attendre les explications. Parce que c'est vrai que la rêverie, on n'en sait pas grand-chose encore jusqu'à maintenant. Là, on ne sait pas. Hein. C'est juste que Cobra est mort. C'est là. Mais on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, de pourquoi il est mort. Parce qu'on, évidemment, ils ont essayé de lui faire porter le chapeau à Sabot, mais on savait très bien depuis le début que c'était pas lui, quoi. Évidemment. Donc, à voir, selon ce que va nous raconter Sabot. J'espère qu'on va rester là-dessus, quand même, parce que j'ai pas envie qu'il fasse un cliffhanger là-dessus pour pas revenir sur ça, quoi. Autant j'aime qu'on se balade dans tous les coins, là, sur les derniers chapitres, mais là, ça fait quelques temps qu'il le tease, faut rester là-dessus, juste pour savoir ce qui s'est passé, quoi. Ouais, non, tu veux dire, voilà, rester là-dessus, là, maintenant. Oui, quoi. Oui, juste sur les explications. Ouais. Après, il peut switcher après les explications, mais qu'on reste là-dessus. Ouais, je pense qu'en plus, justement... Non, c'est possible. Les explications, ça va amener au débat sur Kuma et tout ça, là, pour ensuite revenir sur Eged, en fait. Ouais. Je pense que c'est comme ça que ça va se boucler, le fait qu'on fasse le petit tour de non, raison, mais là. En vrai, c'est possible, parce que Law, c'est fini. Ouais. Kid, bon... Voilà. Et... C'est mort. Là, après, il y a quoi? Egghead, à mon avis, on va pas y retourner maintenant. Non, je pense qu'on va y retourner après ces explications. Hein. Ouais. Ça fait une bonne transition. En fait. Voilà. Après, bon, il y a toujours Garp et Kuzan. Oui, Garp et Kuzan, c'est pas fini encore. Mais en soi, voilà, c'est Garp et Kuzan et ça. Ouais. Donc, à mon avis, on va rester là-dessus. Mmh. Je pense. Mais encore une fois, excellent chapitre. Donc ouais, en tout cas les deux chapitres étaient très bons, donc on attend de voir ce qui va se passer par la suite. J'adore ces chapitres-là. On attend les révélations de Sabot, ouais. Et bah, puis voilà, ça va être lourd, on attend ça. Le niveau stratosphérique quand on se concentre pas sur les Mugiwara, c'est incroyable. C'est ça d'avoir un bon cast secondaire, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon bah du coup, on attend le prochain chapitre. Yep. Allez, tchuss.